Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite. Bulletin. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ces 13h. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part dimanche à l'ouverture du séminaire gouvernemental qui ira jusqu'au mardi prochain sur le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Lors de son discours d'orientation, le chef de l'État a rappelé au gouvernement souminois les lignes directrices et de principes qui doivent guider l'action du gouvernement. Je vous propose donc de le suivre. Bienvenue à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous préciser que j'attache du prix à ces assises. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes, et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de ce séminaire gouvernemental placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale », je voudrais, à l'entame de mon propos, vous préciser que j'attache du prix à ces assises. Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes, et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Et puis, parlons sécurité à présent, la MONUSCO ne devrait pas s'y retirer de sitôt au Nord Kivu. Le processus va dépendre du contexte et de la situation sur place où les forces négatives semblent déterminées à troubler la paix et la quiétude de populations civiles. Le gouvernement
de la République démocratique du Congo a fait part de cette position par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, que je vous propose de suivre. Nous avons estimé qu'il serait plus raisonnable de séquencer le retrait de la MONUSCO au Nord Kivu. Nous suivrons l'évolution de la situation et du contexte dans cette province afin de trouver un moment plus approprié pour entamer ce processus. Nous voulons nous assurer que tout se fasse de manière durable et raisonnable. Et la situation actuelle avec des troupes rwandaises sur notre sol rend un tel processus difficilement envisageable. L'opinion nationale et internationale est maintenant de plus en plus consciente que le Rwanda participe peut-être dans les missions de paix dans certains pays, mais c'est un pays belliciste dans la région des Grands Lacs et alimente l'une des pires guerres au monde avec plus de 7 millions de gens déplacés. C'est ce que nous avons toujours mis en lumière et nous sommes heureux de savoir que la communauté internationale, y compris des pays africains, sont maintenant au courant de ça et doivent appréhender cela comme il se doit. Depuis la résurgence du M23, soi-disant rébellion congolaise, nous l'avons dénoncé, disons que c'est une instrumentalisation du Rwanda. Maintenant, nous avons 4000 soldats rwandais sur notre sol et nous avons les évidences que Kigali est déterminé à étendre son emprise sur notre territoire et contraindre les populations à quitter leurs terres pour piller nos richesses. Nous sommes heureux que de plus en plus les membres des Nations Unies, spécialement le Conseil de sécurité, s'expriment sur la question. Donc, nos efforts diplomatiques portent leurs fruits. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a brièvement présenté au cours du Conseil de ministres du vendredi 19 juillet dernier un business plan qui s'étale sur 5 ans, dont la principale articulation est l'acquisition en location achat de 3 aéronefs en location ou achat de 3 aéronefs de type A320, ceci pour éviter à la compagnie Congo Airways de perdre sa licence d'exploitation et son appartenance à l'Association du transport aérien international. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya en a fait le point dans cet extrait du compte-rendu du Conseil de ministres. Suivez. Proposition pour le renouvellement de la flotte de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a rappelé la série des mesures envisagées afin d'assurer la relance de la compagnie nationale. Il a présenté sommairement les business plans étalés sur une période de 5 ans et qui envisagent d'acquérir en location-achat 3 avions de type A320, ce qui a pour avantage de résoudre la double question relative à la perte du certificat de transport aérien CTA et de l'agrément IATA à la date butoir du 16 septembre 2024. La relance de la compagnie Congo Airways s'impose au regard de son impact significatif sur la souveraineté nationale et la mobilité des personnes et des biens ainsi que la vie économique et sociale pour lesquelles les indicateurs des performances démontrent une rentabilité et une viabilité satisfaisante avec la desserte graduelle des 47 destinations domestiques et intra-africaines suivant son programme d'exploitation. Il a été complété par le ministre du portefeuille qui a présenté les business plans qui accompagnent cette volonté du gouvernement. Après débat et délibération, ce dossier a été. Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidence contre Donald Trump. Cette déclaration diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué une onde de choc politique à travers tout le pays et a sémé la confusion à quelques mois seulement du scrutin présidentiel. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidence contre Donald Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux qui a provoqué une onde de choc politique dans tout le pays et jeté le trouble sur l'élection à quelques mois du scrutin. La décision de Biden intervient après une performance jugée médiocre lors des récents débats qui a poussé de nombreux parlementaires démocrates à lui demander de se retirer de la course.
Je ne suis ni surpris, ni choqué. Ses capacités diminuées étaient évidentes pour tout le monde, on le voit. C'est vraiment triste de voir quelqu'un passer par là. Donc oui, dur, difficile et triste. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé en tant que président, qu'il est un grand leader. Je suis très fier de lui et j'ai hâte de voir son successeur. En se retirant, Biden a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle devienne la nouvelle candidate des démocrates. Les semaines à venir seront déterminantes pour Kamala Harris, qui devra convaincre les électeurs de sa capacité à diriger le pays. 13 heures touche à sa fin. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les antennes de Geopolis Télévision. Vous allez suivre à 19h30 la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par Damani Mujinga. Au revoir.